président de la sous-commission de Benigara,
pour au moins trois raisons. La première d'abord, c'est que M. Malan, mon colonel, le préfet Saïd Dia, dont je suis l'adjoint, avait tenu personnellement à vous accueillir. Hier dans son bureau, il m'a fait part de vos rapports, me disant que vous avez été à l'école ensemble, à l'école nationale d'administration. Donc me demandant de le représenter avant qu'on m'invite, je ne pouvais pas manquer à cette invitation. Les autres raisons qui m'ont poussé à venir, faisant attendre le conseil municipal de Wenigara, c'est que pour moi, c'est réellement un plaisir d'être parmi vous, ces figures emblématiques de l'arbitrage. J'étais accueilli par Diata, dès que j'ai mis les pieds dans la cour, je l'ai reconnu immédiatement, parce que je suis un sportif, ancien président d'ASC, ancien footballeur aussi. Donc c'est un plaisir pour moi d'être parmi ce milieu de l'arbitrage et de m'asseoir côte à côte avec vous, parce que vous faites la fierté du Saint-Gall. L'autre raison, je l'ai dit, j'ai été personnellement invité par mon ami et frère Dame, avec qui j'entretiens de très bons rapports, au même titre que toutes ces bonnes personnes-là que je vois autour de nous, n'est-ce pas? Chacun parmi eux, j'entretiens avec lui de très bons rapports. Ne serait-ce que pour ça, j'ai décidé de venir, demandant au maire de me permettre de m'absenter pour quelques minutes. Alors, j'ai voulu rester jusqu'à la fin des travaux, parce que certainement ce qui se dira pourra nous intéresser, nous, de l'administration. Parce que comme vous le savez, on le dit très souvent, l'administration n'est plus une administration de commandement, ça est devenu une administration de développement. Et parlant de développement, on ne peut pas occulter l'aspect du sport, le domaine du sport, qui est un domaine très important. Dans le document de planification du Sénégal, en son axe 2, qui est le capital, le développement du capital humain, on ne peut pas le promouvoir en faisant abstraction du sport. Donc, ne serait-ce que pour ça également, on devait normalement rester jusqu'à la fin, mais compte tenu de ces contraintes, nous allons devoir prendre congé de vous et vous souhaiter une bonne suite des travaux. Peut-être juste faire un témoignage à l'endroit de ceux qui tiennent le milieu de l'arbitrage ici dans le département de Wenigara. Ce sont des gens très respectables, mais aussi très dévoués à la tâche, qui multiplient les actions pour la bonne tenue du secteur de l'arbitrage, mais aussi de la promotion des différents jeunes qui sont passionnés par le domaine de l'arbitrage. Ce que je leur souhaite, c'est qu'un jour qu'on puisse dire que des Malan Diédiou sont sortis du département de Wenigara. Pourquoi pas, d'ici peu de temps, qu'on puisse avoir un arbitre international qui va sortir du département de Wenigara. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Je prends congé de vous. Je ne vais pas lever la séance, mais juste vous demander de me permettre de me retirer doucement le temps que vous compteniez vos travaux. Je vous remercie. Monsieur le directeur du CEREPS, monsieur le directeur technique régional, monsieur le directeur technique départemental, monsieur le président du sport travailliste, monsieur le président de l'association des entraîneurs de football, chers arbitres et assesseurs, honorables invités à vos rangs, titres et qualités, il me plaît aujourd'hui, à pareille circonstance, de magnifier solennellement la visite du président de la CCA à Wenigara. Cet engagement en faveur de l'arbitrage sénégalais permet sans doute d'améliorer la qualité et le fonctionnement des structures, mais aussi de soulager les acteurs que nous sommes. Je saisis cette opportunité pour rappeler l'importance de la rencontre initiée par lui-même, le président, pour des visites de courtoisie, de partage et d'échange aux différentes sous-cras et cras pour une meilleure harmonisation des pratiques et un bon fonctionnement. En outre, sa présence d'aujourd'hui est la continuité du travail remarquable entamé par ses deux prédécesseurs depuis les années 90, pour lesquels nous ne cesserons jamais de prier. Feu Badra Mamaya Sen, qui a entretenu et relancé l'arbitrage sur le plan africain. Feu Amadou François Gueye, dit Francky, qui a contribué à l'élargissement et la massification de l'arbitrage sénégalais. Ainsi, en deux ans de règne, à la tête de la CCA,
Monsieur Manan Diédiou a apporté sa touche personnelle pour le rayonnement de l'arbitrage sénégalais. Ce grand monsieur, nommé l'enfant de Badiana, ancien arbitre international, qui a fait ses preuves à la Coupe du Monde Russie 2018 avec de brillantes prestations. Instructeur FIFA et responsable de la formation de l'arbitrage sous-régional, est un adepte de la rigueur, du travail bien fait et surtout de la transparence dans la gestion des affaires. Parmi ses nombreuses réalisations, permettez-moi d'en citer quelques-unes. L'initiation des cours de formation à distance via Zoom Meeting permettant pour tout arbitre gradé du Sénégal. L'organisation des séminaires de cours d'élite, des jeunes talents et assesseurs. La généralisation et l'harmonisation des tenues et équipements d'arbitre. L'introduction de l'interprétation et de l'analyse de clips vidéo. La mise en place d'un système électronique des rapports de match permettant un gain en temps, en finance et en matériel. La systématisation des honoraires payés régulièrement facilitant du coup le déplacement des arbitres, j'en passe. Tous ces efforts réunis ont permis de rehausser le niveau de l'arbitrage avec des performances jamais réalisées jusque-là. Ce qui nous a valu un championnat national stable, un quator à la CAN passé et un trio pour la Coupe du Monde Qatar 2022. À cet effet, c'est un honneur et un grand plaisir de l'accueillir honorablement parmi nous. On ne peut pas parler de l'arbitrage sénégalais sans pour autant citer Badra Diatta, qui est là à côté de moi à droite. Reconnaissance éternelle à Badra, ancien arbitre international, instructeur CAF, président de la Soukra de Ziguinchor, responsable du pôle des instructeurs et collaborateurs proches du président de la CCA, qui est en train d'abattre un travail colossal pour outiller l'ensemble des formateurs, des arbitres du Sénégal et des instructeurs. Monsieur le Président, la Soukra de Vlengra s'engage à vous accompagner sans relâche à tous les niveaux pour la réalisation des nobles ambitions que vous avez pour l'arbitrage sénégalais. Nous voulons saisir aussi cette occasion pour remercier tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cet accueil. Le préfet du département pour sa disponibilité et sa promptitude à l'égard de la structure. Il en est de même pour le président du conseil départemental qui a apporté son soutien, le directeur général de la Sodagri, le président de la CRA, même s'il est membre aussi, a apporté son soutien, le directeur du service des sports, de même, le directeur du CEDEPS, le gérant de l'hôtel La Payotte qui nous a vraiment facilité l'accès à cette salle d'aujourd'hui. Et l'ensemble des arbitres et assesseurs, je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage à notre cher président d'honneur, Cheikh Tidiane Haïdara. Cheikh Gatengalam, Sunekutan Yao, Sutaibi, Douam, Taï, on n'a fait que récolter les fruits de votre long travail que tu as semé depuis des années. Et le bureau de la Soukra, franchement, c'est vraiment Aïgaïnengen. Je m'en réserve de citer des noms, mais parmi vous, vraiment, vous êtes en train d'abattre un travail remarquable. Je ne saurais. Merci, je vous remercie de votre aimable attention. Cette tournée entre dans le cadre, n'est-ce pas, de la rencontre à la base avec les arbitres, avec les soukrans. Donc, cette rencontre nous paraît très importante. Comme on l'a toujours dit,
l'administrateur qui va auprès des administrés. C'est très important. Donc, dans tout le territoire national, je pense que il doit faire la même chose pour rencontrer la base. Et c'est l'occasion pour les arbitres qui n'ont jamais vu le président de la CCA de le rencontrer et également de poser les problèmes des Soukra, de poser les problèmes des arbitres. Donc cette rencontre est plutôt instructive et éducative et formatrice aussi. Donc nous la saluons en juste titre. Et je pense que les arbitres sont là. Ils sont tout beaux, comme vous le voyez. Ça, c'est de l'innovation. Je pense que depuis son accession à la présidence de la CCA, l'arbitrage sénégalais connaît un bond extraordinaire. Nous avons des arbitres un peu partout, représentés à la FIFA. Je ne vais pas revenir là-dessus, le président Damphal l'a dit. Et les réalisations que le président est en train de faire au niveau des CRA et sous-CRA des régions, je pense que l'arbitrage sénégalais aujourd'hui est respecté et on est fier d'être arbitre. Ça, je pense que c'est grâce à la touche particulière du président Malang Diédhiou. Donc, les figures emblématiques qui sont là, que ce soit Badara Diatta, un ancien international, instructeur à la CAF, le président lui-même, je pense que le Sénégal doit être fier de l'arbitrage sénégalais. Et la promotion des jeunes aussi, vous êtes sans savoir que toutes les formations que le président a initiées au niveau du Sénégal, c'est pour les jeunes arbitres, la promotion des arbitres, et je pense que nous avons vu les résultats à travers le choix de nos arbitres au niveau de la Coupe du Monde, n'est-ce pas, de football. Le président, nous vous en vraiment remercions beaucoup. Que c'est pour moi, en tant que président du district, un honneur de recevoir ici le président de la Commission centrale des arbitres à Velengara pour partager avec lui les préoccupations de la Soukra en particulier, mais de la préoccupation de l'ensemble de la communauté sportive de Velengara. C'est important. Monsieur le président de la Commission centrale des arbitres, je voudrais d'abord témoigner au nom du district la bonne collaboration de la Soukra de Velengara aux différents acteurs du football du département. Ils ont à chaque fois que de besoin, parfois dans des conditions très difficiles, j'avoue, et parfois incertain du point de vue sécuritaire, accepter d'officier des matchs pour nous faire vivre notre passion qui est le football. Et pour ça, je devrais devant vous le remercier et le rendre un vibrant hommage. Parce que il n'y a jamais de match de football sans arbitre. Et il n'y a jamais de match, un bon match de football sans un bon arbitrage. Et pour ça, vraiment, je crois qu'ils sont en train de faire des efforts. Et au nom du district et au nom de toute la population de Velengara, je tenais à témoigner vraiment cette reconnaissance à l'endroit de la Soukra de Velengara. Maintenant, monsieur le président, le préfet l'a dit, à Velengara, nous avons besoin de références pour que la jeunesse davantage continue à aimer cette fonction, pour qu'ils puissent davantage l'embrasser. Nous avons besoin de références ici à Velengara. C'est pourquoi nous aurons souhaité, et ça je crois que c'est une demande forte de la population de Némataba, avoir au moins un trio international à Velengara. Ça, monsieur le président, je tenais vraiment à vous le dire, c'est une demande de la population de Némataba. Il faut vraiment nous aider à avoir, ne serait-ce qu'un trio, voilà, une demande de la population de Velengara, vraiment à avoir un trio international ici. Parce qu'il y a la qualité, il y a l'engagement et il y a les hommes qu'il faut. Ça vraiment, c'est un souhait fort et je tenais à le dire. Bon, voilà, maintenant, je ne vais pas être très long.
Voilà, je voulais remercier tout le monde. Vous remerciez le maire ou son représentant, monsieur le représentant du conseil départemental, monsieur le président de la commission centrale des arbitres, monsieur le directeur du CEDEPS, monsieur le président de la CRA de Kolda, monsieur le directeur technique régional de football, bien sûr, monsieur le président de l'association des entraîneurs et éducateurs de football, monsieur le président du district de football de Velingara, monsieur le président du district du sport travailliste de Velingara, monsieur le président de la Soukra des arbitres de Velingara, monsieur les inspecteurs des arbitres, messieurs les arbitres, tous grades confondus, chers invités, chacun à son titre et rang et qualité. Je voudrais, à l'entame de mon propos, présenter mes condoléances à la CCA, aux arbitres et au monde sportif et associatif, suite au rappel à Dieu de Malamine Camara, membre de la CCA et ancien président de la Ligue régionale de football de Kolda, survenu ce mercredi 3 août. Le doyen Malamine était un personnage emblématique de l'arbitrage et du sport en général. Il a guidé mes premiers pas à la Ligue régionale de football de Kolda. Je retiens de lui son honnêteté, sa dignité et surtout son attachement aux relations humaines. Prions Dieu le Tout-Puissant pour qu'il l'accorde sa miséricorde et l'accueille dans son paradis céleste. Monsieur le président de la CCA, je vous souhaite la bienvenue à Velingara, dans le Fouladou, en Haute-Casamance, dans le cadre de votre tournée nationale de partage et d'échange. C'est l'occasion pour moi de magnifier cette démarche de la CCA qui consiste à aller à la base pour rencontrer les arbitres de l'intérieur du pays, car nous n'avons pas souvenance de la venue ici à Velingara d'un président de CCA. Cet acte prouve à suffisance la considération que vous avez pour notre cher département et nous en sommes très honorés. Cette visite est d'autant plus importante qu'elle est une source de motivation pour les arbitres du département, mais aussi elle va sans aucun doute doper les jeunes à embrasser ce métier. Monsieur le Président, je profite de cette tribune pour exprimer toute ma satisfaction à l'endroit de la Soukra de Velingara. C'est l'un des rares groupements sportifs à tenir des formations et recyclages de façon périodique. C'est pourquoi le pari de la massification a été une réussite, car beaucoup d'arbitres ont été formés. Aujourd'hui, nous avons des arbitres bien formés dans 9 communes sur 14 que compte le département de Velingara. À titre d'illustration, toutes les compétitions organisées par la Ligue de football, le district de football, le sport travailliste, le sport scolaire sont officiés par des arbitres locaux et dans tout le département. La présence de Damfal parmi les arbitres de l'élite du football sénégalais constitue pour nous une fierté, car Velingara a eu de grands arbitres dans le passé, à l'image de Elhaj Baldé, qui est actuel président de l'ACRA, le doyen Cheikh Tidiane Aïdara, Mahmoudou Diao, Fallou Fall, Ibrahima Diallo Colina, Daoud Diop, Abdourahim Diallo, Lamine Diédjou, pour ne citer que cela. Sans oublier la nouvelle génération, les Ibrahima Souri Bayo, Ibrahima
Ibrahima Niaria. Boubacar Keita, qui vous citez. Boubacar Keita, oui. Bon. Ibrahima Sori Bayo. Voilà. Ibrahima Niaria, Boubacar Sakho et Ibrahima Diallo, etc. C'est pourquoi, avec tout ce potentiel en ressources humaines, nous espérons que le département de Vélingara, le plus vaste et le plus peuplé de toute la Casamance naturelle, aura bientôt, et pour la première fois, un arbitre international, Inch'Allah. Je voudrais terminer mon propos en vous adressant mes sincères remerciements au nom de tous les acteurs du mouvement sportif pour avoir inséré l'étape de Vélingara dans l'agenda de la tournée nationale. Je vous félicite aussi pour votre rigueur et les nombreuses innovations dans la gestion de la CCA. Depuis votre avènement, surtout par rapport à la transparence dans la désignation des arbitres. Car je le rappelle, je suis non seulement président de club, mais aussi je suis membre du conseil d'administration de la LFA. Et à chaque fois, quand nous faisons le bilan de chaque année, parmi les points en tout cas positifs, on note souvent véritablement la transparence dans la désignation. Donc, Monsieur le Président, là vous accorde la santé et l'énergie nécessaire pour que vous continuiez à servir le sport sénégalais. Je vous remercie de votre... Directeur du CEDEPS, Monsieur le Président du district de Vélingara, moi je ne serai pas très long, c'est une parole que je vais seulement donner à mes collègues arbitres. Je crois que vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe. Ce que je vous demande dans l'arbitrage, c'est le courage, le partage, la patience, la discipline et le pardon. Si vous le faites, vous réussissez. C'est ce qui m'a permis, n'est-ce pas, de diriger cette Soukra pendant 32 ans sans avoir de problème. Et en partant aussi, j'ai bien fait, j'ai remis le fauteuil à une personne que j'ai formée personnellement, à la personne de Danfal. Et une personne que je connais très bien, un homme que je connais très bien, accompagné des autres que je ne peux pas citer, les Fallou et autres. N'est-ce pas? Et au directeur du CEDEPS, Mahmoudou et Elhadj Baldé, on a vraiment galéré ici. Je me rappelle au moment où on prenait les popolines là, c'est ce qu'on amenait chez les tailleurs pour en faire une tenue. C'est les popolines bleu, blanc et bleu, bleu, noir et blanc. Voilà, on a démarré avec ça. Et aujourd'hui, tu n'oses pas donner des popolines à un arbitre pour qu'il officie. Donc, moi, je suis de la génération du président Cheikh Gaye, qui est le président, qui était président de la CCA. Après lui, c'est Badara Mamaya qui est venu après Francky. Mais dans mon circuit d'arbitrage, ce qui m'a beaucoup marqué aujourd'hui, et je remercie le feu Francky de m'avoir permettre d'être l'inspecteur de Malangédiou pendant deux matchs. Et le premier match, Je ne voulais même pas partir parce que je disais que Badara daf ma bëgg sank. Parce qu'un trio international, Moudjelma pour moi, inspecter l'en à Djourbel, je crois que cela, c'était l'honneur pour moi. Donc vraiment, depuis lors, vraiment, voilà ce qui m'a marqué surtout dans l'arbitrage. Donc sans plus tarder, je vous remercie beaucoup. Je remercie tout le monde. Et je remercie Damfal d'avoir continué mon travail. Et on vous demande d'être courageux et surtout dans cette discipline on parle de l'heure, l'arbitre doit venir à l'heure. On profite pour vous le dire ici, président, arbitre bu ñewul ki dam len digam, ça c'est clair, waron nako am bu yag, ça je l'impose. On peut avoir un trio ici, on a des arbitres qui sont là, on a Bayo, on a Ablaye Pers, tout le monde est là. Donc, président Malan, ça c'est une imposition. On vous impose que la Soukra de Vélingara am arbitre international. Je vous remercie. Monsieur le chef du service de sport, monsieur le président de l'ACRA, monsieur le président du district, monsieur le président de la Soukra de Vélingara,
monsieur le directeur du CEDEPS, distingués invités parmi nous, chers collègues responsables du pôle des instructeurs de la CCR, monsieur Badara Diatta, chers instructeurs, chers assesseurs, chers collègues arbitres. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier monsieur le préfet du département de Velengara qui a bien voulu accepter présider cette cérémonie de rencontre de la CCIA avec sa base et en particulier avec la Soukra de Velengara. C'est vrai que le préfet Saïd Dia est un camarade de promotion. Et je pense que si le préfet a souhaité être là parmi nous, c'est qu'il a du respect pour le sport et pour la pratique que nous sommes en train de mener. C'est pourquoi je voudrais lui transmettre les remerciements du président de la Fédération sénégalaise de football, de l'ensemble des membres du comité exécutif et de la commission centrale des arbitres. À ces remerciements, je voudrais associer tous ces sportifs qui ne sont pas arbitres, qui sont parmi nous. Comme vous le savez, le sport est un tout. Il y a un volet arbitrage et d'autres volets, et nous devons tous concourir à l'améliorer. À vous, monsieur le président de la CRA et de la SOCRA, je voudrais encore renouveler mes remerciements pour cet accueil depuis 3 km de Velengara, une première pour un président de la Commission centrale des arbitres. Et pour tout ce que vous avez voulu faire, que je vous ai défendu de faire. Parce que le président de la CRA et de la SOCRA m'ont saisi il y a cela quelques jours pour une organisation particulière, mais j'ai tenu à ce que ça soit limité dans le cadre sportif, purement sportif. Je vous comprends, mais comprenez aussi que nous sommes venus pour une séance de travail. L'accueil a été chaleureux, l'organisation parfaite avec une belle image des arbitres. J'y reviendrai tout à l'heure lorsque je vais donner des explications par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Le deuxième aspect que je voudrais remercier un de mes proches collaborateurs, le président Badara Diatta, qui m'a accompagné, en tout cas pour toutes les rencontres au sud, au sud-est. C'est avec Badara que je le fais. Lui est aujourd'hui le responsable du pôle des instructeurs de la Commission centrale des arbitres. En même temps, il est l'instructeur professionnel de la zone ouest A que je dirige au niveau de la CAF. Il est instructeur CAF. Il est président de CRA, président de SOCRA. Vous voyez le nombre de casquettes qu'il a. Et pourquoi je tenais particulièrement à le remercier. À chaque fois qu'il y a des problèmes au niveau de l'arbitrage, je tape sur lui parce que c'est lui qui forme les arbitres ou qui est censé coordonner la formation des arbitres. Aujourd'hui et demain, normalement, il y a une fête à la Soukra de Ziguinchor. Et malgré tout, il a tenu à m'accompagner. À un certain moment, je lui ai demandé de rester et être à côté de ses arbitres. Mais accordant beaucoup d'importance à ce que je suis en train de faire, il a préféré renoncer à être avec ses arbitres pour être avec l'ensemble des arbitres du Sénégal, c'est-à-dire m'accompagner partout où je souhaite aller. Merci donc, président Badara. Au doyen Chetiyan Aïdara, je voudrais particulièrement dire tout mon profond respect pour ce que vous avez fait, vous et les doyens qui sont là pour l'arbitrage sénégalais. Je vais tout simplement vous inviter à être plus accessible sur le WhatsApp. C'est ça seulement qui est son problème et un problème personnel. Mais là, je comprends.
Certains ont opté ne pas être dans les réseaux sociaux, mais aujourd'hui c'est devenu un outil de travail. Et il l'a compris, parce que quand on s'est expliqué depuis lors, je crois qu'avec l'aide de dames, on est en train de mieux se comprendre. Ceci étant dit, je voudrais d'abord voir les arbitres dames debout, ici, avant de commencer mon propos. J'aime bien voir les arbitres femmes partout où je passe. Ok, c'est bien, le nombre est important. J'avais donné des orientations à dames pour ça. Pourquoi? Parce que le foot féminin aujourd'hui bénéficie d'une discrimination positive de la FIFA et de la CAF et de la Fédération sénégalaise de football. Des fonds sont là pour ça et l'arbitrage ne sera pas en reste. C'est la raison pour laquelle, si vous avez bien vu ce qui se passe même au niveau des tests physiques, au niveau de d'autres choses, on voit que les dames sont privilégiées. Ce n'est pas moi, ce sont des instructions qui viennent de la FIFA. Comme je l'ai dit, je suis venu aujourd'hui, chers collègues, chers doyens, distingués invités parmi nous, vous expliquer ce que nous sommes en train de faire à la tête de la Commission centrale des arbitres. J'insiste sur le mot expliquer, parce que je ne suis pas venu vous convaincre de ce que nous sommes en train de faire. C'est différent. Convaincre et explication. Vous pouvez ne pas être convaincu, mais vous devez savoir ce que nous sommes en train de faire. Et c'est cela le message d'aujourd'hui. Si vous le comprenez, tant bien, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, je suis là après mon speech. Vous pouvez poser toutes sortes de questions. Je dis toutes sortes de questions, il n'y a pas de sujet tabou. Et je pense avoir des réponses à apporter. Mais je n'ai pas la solution à tous les problèmes des arbitres du Sénégal, étant donné que ce n'est pas moi qui décide en dernier ressort. Nous sommes une commission centrale des arbitres de la Fédération. Le dernier mot appartient au comité exécutif et au président de la Fédération, notamment sur certaines questions. Alors donc, si je dis que je suis venu vous expliquer ce que nous sommes en train de faire, je vais commencer d'abord par dire pourquoi. Pourquoi j'ai pensé pouvoir diriger la Commission centrale des arbitres. Lorsque le 19 juillet 2018, après la Coupe du Monde, j'ai décidé d'arrêter ma carrière internationale avec FAI Media, j'avais, parce que étant dans le milieu et sachant comment les choix s'opéraient au niveau de la FIFA, de la CAF, j'avais pensé le faire pour la génération future et pour l'intérêt de l'arbitrage sénégalais. Parce que si je continuais à officier, j'aurais pu terminer l'année avec le badge FIFA et même être reconduit, probablement, parce que si je faisais le test physique jusqu'à aujourd'hui, je peux passer le test physique. Et je sais que jusqu'à aujourd'hui, Badara Diatta peut passer le test physique. Et donc, ce n'est pas l'obstacle, ce n'était pas le test physique pour nous. Alors, je l'ai fait parce que je savais qu'en le faisant, j'allais bloquer Maguette Ndiaye et les autres. Et que l'objectif personnel que j'avais était de pouvoir voir un autre trio sénégalais à la Coupe du Monde. Et Dieu m'a donné raison. Vous savez, ce n'est pas facile parfois de dire charrette, alors que les avantages étaient plus que là, les honneurs aussi. Mais quand on passe à l'intérêt général, on peut effectivement accepter d'abandonner une passion. Alors, il fallait que Maguette soit beaucoup plus au devant de la scène pour être parmi les candidats de la CAN, des arbitres de la CAN, et à partir de là, avoir un potentiel candidat pour la Coupe du Monde. Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'avais été dissuadé par certains de nos dirigeants, dont je préfère taire les noms ici, qui me disaient qu'il faut continuer, lors de la prochaine CAN, vous allez arbitrer la finale, si le Sénégal ne se qualifie pas.
voyez, j'aurais pu être tenté par aller arbitrer une finale de la CAN, mais j'ai dit non. Et le Sénégal était qualifié à la finale de cette CAN. Ouais. Et j'aurais pu partir à la CAN, ne pas arbitrer la finale et bloquer la progression des jeunes. Et le Sénégal n'allait pas avoir le trio qu'il a aujourd'hui à cette Coupe du Monde. Alors, fort de cette expérience, je me suis dit, pourquoi pas donc demander à présider la commission centrale des arbitres pour changer ou améliorer, parce que changer c'est trop dire, améliorer le management au niveau de cette commission centrale. Mais ce que j'ai oublié de vous dire est que lorsque, après, j'ai pris cette décision d'arrêter, 2 mois après, la FIFA a fait de moi un instructeur FIFA et instructeur CAF sans aucune formation. Or, pour être instructeur FIFA, il faut passer par plusieurs étapes. Vous voyez donc, lorsqu'on accepte renoncer à des choses, Dieu vous récompense autrement. Alors donc, et après, sans être demandeur, quelques mois après, c'est-à-dire 6 mois ou 7 mois après, six mois après, la CAF fait de moi un membre de sa commission des arbitres et un membre responsable de la zone ouest qui compte 9 pays. Alors je me suis dit, comment je peux être aussi représentatif à ce niveau et ne pas travailler pour la Fédération sénégalaise, c'est-à-dire avec la base des arbitres que je vais utiliser à ces niveaux de responsabilité. C'est une des raisons, je dis bien une des raisons parce que l'autre, je préfère la terre, qui ont fait que finalement j'ai demandé à être à la tête de la commission centrale des arbitres. Et lorsque je l'ai fait, je me suis dit, il faut avoir une vision. Mais avant de parler de cette vision, je voudrais encore une fois remercier Badara Diatta parce que quand je lui ai parlé de mon projet, alors que lui, il a été candidat en 2017 pour la commission centrale des arbitres, moi, je lui dis, je suis candidat à la succession de Francky, lui étant mon doyen, parce que c'est lui qui a arrêté pour que moi, je sois aussi au devant de la scène, il m'a dit, je vous accompagne. Donc, il a aussi renoncé pour être derrière moi, alors qu'il aurait dû se dire, ah, je l'ai devancé, j'ai fait une finale, lui, il a fait une finale de la CAN, j'ai pas fait. Il aurait pu dire, non, mon CV est plus éloquent que ton CV, donc sois derrière moi, etc., etc. Il ne m'a pas dit tout cela. Alors donc, et moi, j'ai déposé un plan stratégique avec des objectifs en disant, Horizon 2025, voilà ce que nous souhaitons pour l'arbitrage sénégalais en ayant comme principal objectif la catégorisation des arbitres du Sénégal. Nous y travaillons. Donc en disant catégorisation des arbitres du Sénégal, ou tout ce qui suit, nous avons comme objectif principal l'amélioration de la qualité de l'arbitrage. Et ça, c'est cela qui motive tous les actes que nous sommes en train de poser depuis que nous sommes à la tête de la Commission centrale des arbitres. Cela va nous vouloir des surnoms de dictateurs, de big boss, de patron. Je n'aime pas les qualificatifs big boss, patron. Mais dictateur, je peux accepter parce que oui, là, dans certaines circonstances, il faut être un dictateur. Et comme Dame est un dictateur et Aïdara l'était et le président de la CRA, LH aussi l'est, donc c'est un nom commun donc de personne. Et comme ce n'est pas un nom individuel, ça ne me gêne pas. Mais vous comprendrez pourquoi parfois, dans certaines situations, on est obligé de se comporter de la sorte. Je dis bien que j'ai fait, moi, toutes les compétitions du monde. Donc, des navetanes depuis mon village, des matchs de quartier,
des matchs de Benjamin, de Cadet à Dakar, jusqu'à la Coupe du Monde. Donc je connais toutes les étapes et je sais comment l'arbitrage fonctionne. Aussi bien ici que jusqu'à la FIFA, c'est comme ça. Donc si cette dictature existe ici, c'est comme ça que ça se passe ailleurs, il n'y a pas de démocratie. Par contre, on peut discuter, on peut échanger, rien ne l'interdit, pourvu que ça se fasse dans la courtoisie. Vous pouvez dire à quelqu'un que je ne suis pas d'accord avec votre façon de faire, mais avec la courtoisie. Si ce n'est pas courtois, maintenant, étant donné que cette personne-là, qui a par exemple, comme moi aujourd'hui, disons, la confiance des arbitres du Sénégal, que nous sommes, parce que nous sommes 4000 arbitres au Sénégal, hein, ce n'est pas 1, 2, 3, c'est 4000 arbitres qui ont décidé que je dois être le président de la Commission centrale des arbitres. Dans ce moment, vous m'avez donné et vos signatures, et votre parole, et vos prérogatives pour que je puisse décider en vos noms. C'est normal donc que je puisse décider. Sakyo Mako, c'est légal, c'est légitime. Mais je tiens compte de beaucoup de paramètres quand je prends des décisions, je consulte par-ci, par-là, parfois j'impose une décision qui me semble être la meilleure. Quand je consulte par exemple Elhaj qui me donne un avis, il ne sait pas quel est l'avis de Dame, quel est l'avis de Badara. C'est celui qui reçoit les avis qui peut faire l'arbitrage pour dire ok, donc. Mais je ne suis pas tout le temps obligé de dire à Elhaj, voilà ceci, etc. C'est pourquoi vous devez tous savoir à chaque fois que vous donnez un avis ou un conseil qui n'est pas respecté, que ce n'est pas un manque de considération, mais c'est tout simplement comme ça que les choses fonctionnent, parce que d'autres ont dû donner peut-être des avis qui sont contraires aux vôtres. Maintenant, revenant à cette vision, je voudrais commencer d'abord par expliquer comment nous procédons aux désignations. Et par là, je voudrais répondre aux préoccupations aussi bien du président d'honneur que du chef du service des sports, mais aussi du président du district, que je ne peux pas vous garantir que Velengara aura un arbitre international. Moi, je préfère vous regarder les yeux dans les yeux ici pour vous le dire. Il faut mériter le grade d'arbitre international. Et si Velengara mérite plus que le grade d'arbitre international, pendant que je suis aux commandes et que Dieu le veut, il n'y aura aucune contrainte pour cela. Je suis pour la qualité. À Badiana, mon village, il y a plus de 20 arbitres. Mais vous n'avez pas encore vu un arbitre d'élite de Badiana faire le championnat. Si j'étais quelqu'un qui est sentimentaliste, j'aurais dû dire, ok, je prends. Mais en le faisant, je ne rendrai pas service à l'arbitrage sénégalais. Je veux que l'arbitrage sénégalais soit performant. Et pour cela, il faut des arbitres de qualité. D'ailleurs, je voudrais vous féliciter parce qu'au niveau de la Sokra de Velengara, il y a un trio d'élite composé de Dames, de Momadou Lamine et de Momadou Bey. Je ne comprends pas leur absence, même s'ils sont en vacances. C'était une obligation pour eux d'être là parce que le président de la CCA s'est déplacé. Et ma maman ne se sent pas bien depuis quelques jours. Je devais aller au village, mais j'ai déjà donné mon engagement. Vous savez, ma maman, il n'y a plus rien au monde qui me vaut plus que ma maman. Donc, mais j'ai pris des engagements, je suis venu. Ces arbitres devraient être là. Ça, monsieur le président, je voudrais que prochainement, que ça ne se répète pas, ça ne peut pas se passer. Un autre arbitre, on peut comprendre, mais un arbitre d'élite, à moins que ça soit pour des circonstances particulières, maladie ou bien décès par exemple, sinon il devrait être là. Donc si on prend cette zone, vous vous rendrez compte que la Sokra de Velengara n'a pas de trio d'élite.
elle a deux arbitres. On va à l'Accra de Sédiou, il n'y a personne à l'élite. À l'Accra de Ziguinchor, au niveau de la Soukra de Oussou, il n'y a personne à l'élite. À Bignona, il n'y a qu'un seul arbitre à l'élite et à Ziguinchor où on a 5. Et parmi lesquels, il y a 3 internationaux. Donc les internationaux sont d'office arbitres d'élite. C'est pour dire que votre Soukra a du mérite. Et cela, c'est nous qui l'avons remarqué. Si j'ai créé ce groupe d'élite, si ce groupe d'élite existe, c'est moi qui l'ai créé et j'ai découvert des arbitres qui méritent d'être là. J'ai une relation particulière avec Dame, mais si je pense que Dame ne mérite pas être dans cette élite, il ne le sera pas. Lamine Diédiou qui est là est mon parent, nous sommes du même village, je suis son oncle. Vous allez vous-même dire s'il a fait beaucoup plus de matchs que vous. C'est à vous de juger. La parenté, c'est une chose, l'amitié, c'est une chose. Mais dans le travail, moi, je privilégie les principes. Alors donc, pourquoi j'insiste sur ça? Donc, lorsque je suis arrivé, la Fédération sénégalaise m'a demandé, et elle a même commencé avec Francky, demandé aux arbitres, à la Commission centrale, de catégoriser les arbitres. C'est comme ça que ça se passe à la FIFA et à la CAF. C'est pourquoi vous verrez toujours au niveau de la CAF, les CAN, les jeunes, les mêmes arbitres à peu près. À la FIFA aussi, les mêmes arbitres. C'est ça la catégorisation. Il y a donc au Sénégal 4 groupes et un cinquième qui est autre. Le premier groupe, c'est le groupe des arbitres d'élite. Parmi lesquels, dans lequel on a les dames et les autres. Ce groupe d'élite est un groupe qui peut faire tous les matchs du Sénégal, tous les matchs. Il suffit juste de les désigner, soit Nabetan, voilà, nénén. Ensuite, il y a le groupe des autres arbitres fédéraux. Je dis bien autres arbitres fédéraux. Et quand je parle de ces groupes, la condition sine qua non, c'est le test physique, ça vous le savez, c'est la réussite. Alors donc, si vous prenez dans l'élite, vous allez vous rendre compte, après l'élite, il y a un autre groupe où vous n'avez personne. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas un autre fédéral qui a réussi le test physique à Wellingham. Et c'est comme ça. Donc, dans ce groupe des autres arbitres fédéraux, ils peuvent faire les matchs de Ligue 1 en fonction de la confiance de la CCA, mais pas comme les arbitres d'élite, de temps en temps. Et après, il y a le groupe des arbitres qu'on qualifie d'arbitres talentueux. Où vous aviez l'année passée, pour la première fois depuis la création de votre Soukra, si je ne me trompe, Ibrahima Sori Bayo. Parce qu'en arrivant, j'ai dit, tout était concentré à un certain niveau, il faut déconcentrer, il faut décentraliser, permettre aux autres arbitres. Et j'avais pris contact avec Dame et Aïdara en son temps pour qu'on me propose quelqu'un qui va représenter Ibrahima Bayo. Je l'ai connu depuis Dakar. Il est venu et il s'est bien comporté. Cette année, nous avons changé de critères parce qu'il faut qu'on progresse, il faut qu'on arrive à ça. La réalité est que les jeunes talentueux ne devraient pas dépasser 25 ans. Mais au Sénégal, nous avons eu ce problème. Et nous avons un arbitrage vieillissant. C'est vrai que lorsque les arbitres sont vieux, c'est en ce moment qu'ils sont plus expérimentés. Mais pour être dans certaines catégories, il faut être moins jeune. J'ai demandé à Dame de me proposer quelqu'un qui a maximum 27 ans, stagiaire. Il n'y en a pas à Wellingham. Ce n'est pas à Wellingham seulement, c'est dans plusieurs Soukra. Je me suis rendu compte que l'arbitrage sénégalais est vieillissant. Pourquoi? Parce que quand on propose quelqu'un dans cette catégorie, c'est aussi pour le préparer à être dans l'élite. Et quand il intègre l'élite, c'est pour faire carrière, pas pour une année, deux années. Et vous le savez, aujourd'hui, les critères de désignation d'un arbitre international, j'y reviens, c'est maximum 35 ans. C'est sûr, Dame ne sera pas international parce qu'il a plus de 35 ans. Et vous voulez un arbitre international. Vous voyez? Et au-delà de l'âge, il faut être parmi les meilleurs. Je suis en train de vous parler de critères parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui fais la liste des arbitres internationaux du Sénégal. Et au niveau de la zone, lorsque toutes les fédérations envoient à la FIFA nous ramène ça pour validation. Et donc, je suis
à mesure de vous dire quels sont les critères. Mais malgré les 35 ans qui sont imposés par la FIFA, la CAF aujourd'hui a ses propres critères qui nous font choisir au plus quelqu'un qui a 30 ans. Parce que si vous dépassez les 30 ans, vous ne pouvez pas être un arbitre jeune talentueux de la CAF. Et lorsque vous ne passez pas par cette étape des arbitres talentueux de la CAF, vous ne pouvez pas être dans l'élite de la CAF. Par conséquent, on va juste investir pour zéro. Vous allez être là 10 ans ou 15 ans arbitre international, mais vous n'allez jamais participer à une CAN ou à une compétition majeure de la CAF. Vous voyez. Donc ce sont des choses qui sont liées pour la plupart que les arbitres eux-mêmes ne connaissent pas, et même les dirigeants. C'est pourquoi j'ai dit, je suis en train de vous expliquer comment les choses se passent. Donc, aujourd'hui, il faut, lorsque vous êtes dans ce groupe des arbitres talentueux, vous pouvez aussi faire exceptionnellement les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, en fonction de la confiance du président de la Commission centrale des arbitres, ou d'autres matchs comme les matchs de Coupe du Sénégal, etc. etc. Et après maintenant, quatrième chapeau, les arbitres qui ont été aux phases nationales. Mais ce que je voudrais préciser est que Bayo ne sera pas cette année à ce cours, mais il a son acquis, il est considéré comme arbitre talentueux, même s'il n'est pas là-bas cette année. C'est comme quand vous quittez Dame, par exemple, avec l'âge, s'il dépasse les 45 ans et qu'on l'enlève de l'élite, s'il décide de continuer, on peut l'utiliser, pas comme les arbitres d'élite, mais c'est-à-dire son statut d'arbitre d'élite reste, entre guillemets. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Et après ça, c'est le groupe des arbitres qui étaient aux phases nationales. Parce qu'ils ont eu aussi une formation particulière. Et ceux-là aussi peuvent faire des matchs, mais pas des matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2. Ils peuvent être dans les matchs de National 1, 2 et même parfois des matchs de Coupe. Parce que c'est comme ça qu'ils doivent gagner en expérience. Et enfin, l'autre groupe qui est composé d'arbitres qui ont réussi le test physique, les arbitres de Ligue stagiaire, etc., etc., qui peut lui aussi faire les matchs de National 1 et National 2 en fonction de notre confiance. Et pour cela, j'avais demandé au président de Soukra, quand même, et de CRA, de me faire des propositions parce que je ne connais pas tout le monde pour pouvoir les utiliser. Mais il n'y avait aucune obligation à les utiliser. Normalement, on aurait pu rester avec ces quatre groupes-là. Mais nous avons dit, quand un arbitre réussit son test physique, parce que ce test physique, c'était normalement pour la validation des résultats des examens, il faut aussi le motiver en lui donnant un ou deux matchs. Il y a eu des omissions. Voilà, donc, voilà, à un certain moment. Mais je mettais beaucoup de pression sur Dame en lui disant, si vous me proposez quelqu'un qui... C'est toi le responsable. Parfois, il faut appeler les gens pour avoir, disons, les bons choix. Parce que je sais qu'au niveau des structures, vous êtes proche de vos arbitres et parfois, le sentimentalisme peut gagner. Et je l'ai remarqué, on m'a fait des propositions ailleurs. Et quand je vois des arbitres à Ziguinchor, ben, c'est que moi, j'ai juste besoin d'une minute maximum pour savoir si l'arbitre répond à nos critères ou il ne répond pas à nos critères. Et d'ailleurs, la plupart des arbitres qui sont désignés à Ziguinchor ne le savent pas. C'est pour que j'ai une idée sur vous. Ou que Badara soit là-bas pour avoir une idée. Donc il ne faut pas négliger nos matchs de Ziguinchor là. Hein. Attention les gars. Même si vous êtes à Dakar, il y a des instructeurs qui, au-delà de l'assesseur, sont là pour voir est-ce que vous avez compris le concept, parce qu'il y a un nouveau concept d'arbitrage. Voilà donc les critères de désignation. Et donc nous sommes dans ce que nous appelons un début de catégorisation. Rien n'est figé. Vous pouvez vous retrouver dans un de ces groupes. Il suffit juste de travailler, de faire confiance à vos dirigeants locaux, de faire confiance à nous-mêmes. Moi, je ne gagne plus rien dans l'arbitrage. J'ai mon image déjà. Je n'ai pas d'argent parce que quand on vous paye, on ne me paye pas. Et vous-même, pour les check-off là, parfois, vous ne payez pas. Je ne sais pas si à Belengara, vous avez tous payé. Dans d'autres structures, les gens n'ont pas encore fini de payer. Alors, donc, ça, c'est pour vous expliquer comment nous faisons les désignations. Si vous n'êtes pas retrouvé dans ce que nous avons fait, vous avez le droit de prendre la parole après pour dire que malgré les groupes là, vous n'avez pas eu de match, et après on vous répondra sûrement pourquoi, si ce n'est pas une
omission. Alors, donc, travailler vraiment à être là. J'ai confiance avec ce que j'ai vu, que c'est possible que Velenga, par exemple, Bayo, pour d'ici peu retrouver l'élite. L'année passée, il y avait Al-Khali, il y avait Kali et Omar. Et malheureusement, qui avaient tous échoué lors des examens théoriques. Ça peut arriver, hein. Donc il ne faut pas vous décourager. Il faut continuer à travailler. Ok, deuxième chose. Si vous voyez bien l'année passée, lorsque je suis arrivé, comme Dame Aya le rappelait, parce que moi je ne regarde même pas mes réalisations, parce que je me dis, quand tu comptes tes choses positives là, tu vas te limiter à ça et tu ne vas pas progresser. Moi j'oublie même certaines réalisations de la CCA. J'avais imposé la formation via Zoom. Certains de nos doyens ont pensé que c'était une punition. Certains même pensaient qu'on est venu pour les écarter. Je ne parle pas d'ici, mais je parle de Dakar et d'autres. D'aucuns ont refusé de faire la formation. Elle visait deux choses, cette formation-là, Zoom. D'abord, pour les arbitres, à mettre à niveau tous les arbitres. Par ce que la FIFA appelle l'uniformisation et la consistance de la pratique arbitrale. C'est-à-dire que ce que les arbitres de Dakar auront à faire devant une situation, que les arbitres de Velenga, de Kunkande, de Badiana, de Bunkiling, de Kalifrou, de Manda, de Badiara se comportent de la même façon. Je connais bien ces endroits parce que je suis le directeur régional des douanes. Ok. Et devant le même fait, à la première minute, deuxième, troisième, s'il se répète, l'arbitre doit se comporter de la même façon. C'est cela le but de la formation pour les arbitres. Pour les assesseurs aussi, c'est de connaître les considérations, de connaître les explications liées aux décisions arbitrales pour ne pas se faire humilier par un arbitre. Il venait de vous dire qu'il m'a une fois supervisé. En notre temps, nous, arbitres internationaux, on était de très loin devant les assesseurs. Ce qui fait que parfois, quand tu fais un match, l'assesseur, il vient et te dit, tout est OK. Toi-même, tu sais que tu as commis des erreurs, mais parce qu'il te dit, il dit que tu es dans l'élite de la FIFA, parfois, il n'ose pas te dire ce que lui, il a vu. Moi, c'est ça que j'ai voulu éviter à mes assesseurs. Donc, un, c'était de protéger mes assesseurs pour qu'ils ne soient pas humiliés devant les arbitres. Parce que lorsque ils diront à l'arbitre que vous vous êtes trompé en disant vous n'avez pas le bon positionnement, que l'arbitre ne lui dise pas non. Parce qu'en disant que vous n'avez pas le bon positionnement, vous devez être en mesure de dire que le positionnement de l'arbitre dépend de deux considérations majeures, l'angle de vision et la proximité. Et ça, si vous le dites à un arbitre, il ne peut pas vous dire le contraire. Mais si vous lui dites que non, vous avez un mauvais angle, il vous dit pourtant j'avais l'angle de vision parce que j'ai vu entre les joueurs et j'étais là. Vous n'allez plus rien lui dire. Et en ce moment, même si vous avez d'autres points positifs ou des points à améliorer à lui dire, vous allez vous taire. Et c'est ça que j'ai voulu éviter à mes assesseurs. La plupart n'ont pas compris. Au-delà de ça, il y a un rapport à envoyer à la Commission centrale des arbitres. Je pense que, et c'est une des raisons pour lesquelles je fais le déplacement. Si vous pensez que le rapport là que vous nous envoyez, il est comme ça pour la forme, c'est que vous ne savez pas votre rôle. Le rapport, il permet de noter les arbitres. En les notant, il nous permet de classer les arbitres. En les classant, nous allons arriver à une bonne catégorisation des arbitres. Mais si vous notez mal les arbitres, par exemple, Dame fait un excellent match, vous notez 7 sur 10. Alors que qui d'autre, Ouri fait un mauvais match, vous lui donnez 9 sur 10. Vous faussez le classement. Et donc, Ouri va se retrouver, si on se limite aux notes, sans la connaissance, Ouri va se retrouver à l'élite, là où Dame va se retrouver dans un autre groupe. Et en le faisant, vous tuez la qualité de l'arbitrage. Vous voyez, donc, c'est lié. Votre responsabilité est énorme.
Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de votre rapport, c'est de nous permettre à nous, Commission centrale et au pôle des instructeurs, d'orienter la formation des arbitres. Parce qu'à travers votre rapport, on doit connaître les points forts des arbitres, qui sont les points positifs, et les points à améliorer, là où nos arbitres pêchent, pour orienter la correction ou bien la formation des arbitres. Et cette année, vous l'avez vu, lors un peu de la première phase, nous avons eu d'énormes difficultés sur le hors-jeu et sur les incidents dans la phase de réparation. Ce qui faisait que parfois, on a eu à forcer les résultats de match. Il faut l'accepter. Moi, je ne suis pas là pour dire à chaque fois que les arbitres ont raison. À chaque fois que les arbitres ont tort, je ne vais pas prendre les radios pour le dire, mais lorsque les dirigeants m'interpellent, je dis tout à fait, vous avez parfaitement raison. Et ça, il faut qu'on arrive aujourd'hui à gérer les arbitres de cette façon. Il ne faut pas penser qu'on va vous défendre aveuglement. Non, j'ai aussi une dignité à protéger. Lorsque quelqu'un se trompe, on ne va pas le vilipender, mais on va dire qu'il s'est trompé. Et c'est là où on attend encore les assesseurs. Lorsqu'un arbitre se trompe, il ne s'agit pas de lui dire que vous êtes trompé, vous avez pris une mauvaise décision seulement. Il faut lui dire pourquoi il a pris une mauvaise décision. C'est ça qui va faire que la prochaine fois, il ne va pas prendre la mauvaise décision. Par exemple, vous n'avez pas su anticiper. C'est pourquoi vous n'avez pas eu le bon angle de vision, vous n'étiez pas proche et donc vous n'avez pas pu prendre la bonne décision. En le disant à un arbitre, vous permettez à l'arbitre d'améliorer ses prochaines performances. Vous voyez, le rôle donc de l'assesseur est d'une importance capitale. C'est pourquoi je voudrais encore une fois compter sur vous, que lorsque vous êtes au terrain, lorsqu'on vous désigne, préparez-vous déjà à assumer cette fonction avec plénitude. Mettez le portable à côté, les WhatsApp pendant le match de la Quetta, ça, il ne faut pas le faire. Mettez le portable à côté. Dites-vous que vous êtes là pour ça. Et qu'il soit votre ami ou pas, donnez-lui les bons conseils. Et c'est ça qu'on attend de vous. Maintenant, c'est fini ce que faisaient nos anciens. Je les respecte vraiment, je ne suis pas en train de les dénigrer, qui en son temps venaient se mettre aux aguets pour attendre que l'arbitre se trompe pour lui dire vous vous êtes trompé. Non, aujourd'hui, l'assesseur est le coach et l'entraîneur de l'équipe arbitrale. Il donne les conseils avant le match. Par exemple, vous savez comment arbitrer un match de derby entre deux clubs de Velengara pendant les navettes et un match qui est entre un super favori et un petit. C'est pas la même chose. Donc, lorsque vous donnez les conseils à l'arbitre en disant aujourd'hui, par exemple, pour le derby, il n'y a pas d'avantage à accorder dès les premières minutes, siffler toutes les fautes, etc., etc. Ça permet à l'arbitre qui a moins d'expérience de pouvoir prendre son match en quai. J'ai oublié de dire que parfois aussi, il y a, au-delà des quatre catégories de groupes qu'on avait données, que lorsque je veux par exemple confier un match choc derby, je ne peux pas donner par exemple à Nyaria, quel que soit par exemple ses qualités, devant un dame qui a de l'expérience pour savoir comment diriger ce match. Mais il y a des matchs où on s'attend à un jeu rapide, où je peux douter de la vitesse de dame et mettre quelqu'un comme Elhadj Amadou Sy qui est rapide, comme par exemple Issa Sy ou Maguet qui est rapide à suivre le jeu, etc., etc. C'est comme ça que nous faisons les désignations. Donc voilà encore une fois pour les assesseurs. Je vous rappelle que les cours qu'on a, disons, animés l'année passée avaient deux objectifs principaux. Le premier, c'était de vous protéger en tant qu'assesseur pour ne pas se faire humilier devant des arbitres qui connaissent plus que celui qui doit les corriger. Et en seconde position, de pouvoir nous donner des informations utiles pour catégoriser les arbitres, pour classer les arbitres et aussi pour orienter la formation de ces arbitres-là. Et donc, ces explications me paraissaient nécessaires pour faire comprendre aux assesseurs pourquoi ils sont utilisés. Et je vous ai dit combien de catégories nous avons pour les arbitres. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de catégorie pour les assesseurs. Mais le cahier de charges de la fédération, c'est d'arriver aussi à catégoriser les assesseurs. Et pour cela,
l'outil informatique est de taille. Les réseaux sociaux, il faut les maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas aujourd'hui répondre à certaines exigences. Pas être au top. C'est pourquoi d'ailleurs, moi, je ne regarde pas ce qui est derrière. Si Aïdara ne peut pas manipuler son portable pour m'envoyer son rapport, il pose, par exemple, consulter quelqu'un qui l'aide. L'essentiel est que c'est Aïdara qui m'envoie le rapport. Pourquoi Dame ne doit pas m'envoyer le rapport d'Aïdara? Parce que le rapport est confidentiel. Si Dame connaît la note qu'Aïdara a donnée, qui est par exemple notre suspensive, il ne sait pas si moi j'ai reçu une vidéo qui contredit Aïdara. Par exemple, l'assesseur, et cette année ça s'est passé comme ça, sur des situations, les arbitres ont eu raison sur l'assesseur, ou sur des situations, l'arbitre s'est trompé et que l'assesseur n'a pas pu le mentionner. Mais nous avons des vidéos que nous collectons qui nous permettent d'analyser et qui nous permettent de dire, ah, ici l'arbitre a raison. Si par exemple Aïdara a donné 7, parce que si vous avez 7,9, c'est une note suspensive, hein, 7,9, si je vois, je sais que l'arbitre s'est trompé sur une décision majeure qui a une incidence sur le résultat du match. Et ça aussi, vous devez le savoir. 7,9. Oui, sur 10. 7,9 sur 10, l'arbitre est sous le coup d'une suspension. Maintenant, si lui, il m'envoie Dame à vue, et Dame me voit utiliser par l'arbitre, alors que moi, j'ai la vidéo qui dit que l'arbitre ne s'est pas trompé, même si je ne veux pas vexer l'assesseur en lui disant que votre note n'est pas bonne. Vous voyez, qu'est-ce que ça peut faire? Dame est dans le même groupe des arbitres d'élite, mais il voit que l'autre est en train de faire le match, or lui, il est suspendu. Donc c'est pourquoi, encore une fois, le rapport, il est confidentiel. Vous nous l'envoyez comme ça. Et donc, encore une fois, le rôle de l'assesseur, pour moi, est plus important. Il doit aider les arbitres à se corriger, mais aussi nous donner toutes les bonnes informations. Et donc, lors des désignations, on a essayé de faire une rotation. C'est-à-dire un tour. Et si vous avez bien vu, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être à peu près le même nombre de matchs, à l'exception d'un ou deux. Parce que je ne le fais pas pour Belengara seulement. Quand je fais le tour de Belengara, j'essaie de voir le tour du Sénégal. Nous avons plus de 500 assesseurs. Hein, donc vous pouvez rester longtemps sans match et vous allez penser que vous êtes suspendu. Non. C'est pas ça. Si vous êtes suspendu, je vous le dis. Par contre, si vous rendez un match dans, disons, hors les règles qu'on vous a fixées comme lui, c'est-à-dire... Ah non, c'est mal, excusez-moi. Donc, on ne vous suspend pas, mais on comptabilise ce match. C'est comme ça que je fonctionne. Je le comptabilise comme un match fait. Maintenant, c'est à vous de perdre. Par contre, si vous donnez votre indisponibilité avant, on tient compte. Si c'est nous qui nous sommes trompés en faisant la désignation, on va vous rétablir dans vos droits. Par contre, il y a des événements imprévus. Décès, accident. Ça, même le jour du match, on peut vous remplacer sans tenir compte. Parce que ça, on ne peut pas le prévoir. Mais pour le reste, on a toujours demandé à ce qu'on soit informé au plus tard, le lundi qui précède les désignations. Voilà. L'autre aspect, c'est l'unité. Je voudrais vous inviter à être solidaire. C'est pourquoi d'ailleurs je magnifie les discours qui ont été prononcés ici par rapport à votre collaboration avec les autres. Si vous pensez que nous, arbitres, nous pouvons fonctionner seuls, c'est que vous ne comprenez pas c'est quoi le football. Le football, c'est un tout. Le Navetane et les autres. On peut avoir des problèmes qu'on peut toujours régler autour d'une table. En tout cas, moi, je ne souhaite pas qu'il y ait des problèmes. Et je voudrais tout simplement que les gens se comprennent, que les gens se parlent. Maintenant, ce que je ne peux pas accepter, qu'on agresse des arbitres et que, voilà, que les gens, au lieu d'essayer de faire arrêter tout ça là, on veut, par exemple, trouver un accord entre dirigeants, parce que souvent ce sont les dirigeants du sport qui viennent demander des excuses au niveau des présidents de Soukra et de Kra. Je veux être ferme ici avec vous. Tout président de Kra et de Soukra qui va accepter ce genre de protocole sera suspendu. Et la Kra ou la Soukra peut être suspendue. Il n'appartient qu'à l'arbitre agressé de pardonner, sans aucune pression. Vous l'agressez, vous dites, ah, man bal na, il n'y a pas de problème. Mais si l'arbitre décide d'aller porter plainte et qu'il reçoit des menaces de ses supérieurs pour retirer la plainte, ce sont eux qui seront suspendus.
Parce qu'il faut que ça soit clair. La CCA ne va pas soutenir quelqu'un. Je suis en train de piloter un dossier comme ça à Oussouy, où depuis l'année passée, il y a un arbitre qui a été agressé. Et finalement, l'autre jour, j'ai saisi le procureur pour ça. Et donc, on va suivre. Maintenant, si l'arbitre pardonne, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que vous ne devez pas pardonner. C'est à vous d'apprécier. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Parce que agresser, au moment où nous sommes, je pense que vraiment, Diaroko, sport Diarou Lol. Et qu'il faut que nous protégeons aussi nos arbitres de football. Et là, je voudrais vraiment que tous les acteurs du sport, de quelque bord que ce soit, lorsqu'il y a une agression, que nous soyons unis. Par contre, on demande aux arbitres d'être performants, parce que parfois, c'est vous les sources de problèmes. C'est pourquoi il faut vous remettre en cause à chaque fois. Si vous voulez rester au rond central et siffler un pénalty là-bas, vous pensez que quelqu'un peut vous soutenir? Personne. Et ça peut en tout cas engendrer des conséquences. Donc, unité en vos seins, en tout cas en tant que CRA, sous-CRA, arbitre, assesseur, tel, les problèmes peuvent exister, mais discutez-en. Si maintenant vous ne pouvez pas les régler, vous les surmonter, vous les remontez à la CCR, mais aussi entre acteurs. L'autre chose, c'est la discipline. Je n'accepterai pas, en tant que président de la commission de santé, en tout cas pour le reste de mon mandat, les 3 ans qui me restent, le reste, maintenant on verra si je serai là ou un autre sera là. En tout cas, moi, je ne suis pas omnibulé par les postes. Déjà là où je suis, c'est suffisant. Le moment venu, on en reparlera. Je n'accepterai pas qu'on manque de respect au président de la Soukra et de la CRA et qu'on veuille me respecter. Vous savez que ce n'est pas possible. La CCA n'a pas d'arbitre. Les arbitres, ce sont les arbitres de la base. Donc, respectez c'est-à-dire votre vote. C'est vous qui l'avez choisi, par exemple, dame. Il faut le... C'est pas un problème d'âge. Je pense que je dois être le plus jeune président de la commission centrale des arbitres du Sénégal. Et le plus jeune membre de la commission des arbitres de la CAF. Donc, si vous me voyez comme le jeune comme ça, vous n'allez pas me respecter. Or, ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut respecter derrière l'institution, entre guillemets, que j'incarne. C'est la même chose pour les autres. Non, j'appelle toujours les dirigeants à être ouverts, à écouter. Parce que c'est ça aussi notre rôle. Et à pouvoir prendre les bonnes décisions après. Tout en les expliquant de temps en temps. Parce qu'en expliquant, les gens, après ces explications, beaucoup d'entre vous ont compris comment nous faisons les désignations. Et peut-être demain, lorsqu'ils verront qu'on a désigné tel ou tel autre, ils comprendront que ça doit se passer comme ça. L'autre aspect, c'est le militantisme. Les gars, il faut militer. Si vous ne militez pas, vous ne méritez pas d'être désigné. Parce que si El Hadj Baldé ne vient pas et ne donne pas d'explication à Dame, parce qu'El Hadj aussi, ici, c'est Dame ton patron, hein, ici, à Belengara. C'est là-bas tu es son patron. Mais il ne faut pas abuser. Hein. C'est ton président de CRA. C'est lui qui doit transmettre tes notes à la CCA. Alors, donc, s'il ne vient pas, il ne donne pas de raison, ça peut être source de division de la Soukra. Le président de la CCA qui est là-bas, il fait les désignations en fonction de la liste que lui, il a transmise. Ok, Dame, il dit, ok, lui, c'est le président, il ne vient pas, il ne dit rien. Lui, il vient tous les jours. Je désigne à chaque fois celui-là et je ne le désigne pas. Est-ce qu'il va être motivé à venir? Non. Bonjour les problèmes au niveau de la Soukra. C'est pourquoi on dit aux gens, il faudra aussi qu'on se dise la vérité. Celui qui ne vient pas, remonter l'information à la CCA, on ne le désigne pas. Maintenant, s'il a des empêchements qui ne permettent pas de venir, par exemple, tout le temps, il l'explique au président de la Soukra et ça peut être considéré comme une absence excusée. Voilà donc ce qu'on a aussi dit aux amis. Maintenant, il y a une question, l'argent. J'avoue que personnellement, je ne suis pas satisfait du rythme du paiement des indemnités. Mais je n'y peux rien. Il faut que je vous dise la vérité. Le président de la Fédération sénégalaise croit dans des dispositions pour que les paiements se fassent à temps.
Mais il y a une administration. Quand je suis arrivé à la tête de la commission centrale des arbitres, c'est pour que les explications que je vous ai données doivent montrer à suffisance que je ne pose jamais les actes sans raison. Si vous vous souvenez, j'avais interdit aux arbitres de porter des chaussures noires, des chaussures autres que noires, des culottes autres que noires, des bas autres que noirs. Les gens avaient commencé à crier parce que certains avaient. Après, la CCA, ça je ne dirais même pas que la CCA n'avait pas cet argent-là. Quand je suis arrivé à la CCA, j'ai trouvé 49 000 francs. Je dis 49 000 francs. Parce que la CCA n'a pas vocation à avoir de l'argent, il n'y a pas d'argent. C'est que les gens ignorent là, les quelques points là, ça ne donne pas d'argent à la CCA et il n'y a pas d'autre argent. La fédération ne donne pas de l'argent à la CCA parce que c'est une commission permanente de la CCA, elle ne peut pas. Si on demande à être financé comme ça, oui. Moi, je fais le tour du Sénégal avec mes propres moyens. J'aurais pu demander à la fédération. Peut-être qu'elle ne peut pas, si elle ne peut pas, ça peut bloquer ce que je suis en train de faire. Mais moi, je le fais pour moi. Je le fais pour les autres. OK. On a pris 13 millions, je dis 13 millions de nos francs, que j'ai pu trouver avec mes amis pour équiper les arbitres la première année, 300 arbitres. Si on avait attendu de la fédération, ça allait peut-être ne jamais se réaliser. Je ne suis pas en train de dénigrer la fédération parce qu'elle est en train de faire beaucoup d'efforts. Pour les cours EMA que nous faisons, c'est plus de 30 millions par année que la fédération supporte. Mais nous, on a dit qu'on doit apporter en tout cas autre chose. Si je l'ai fait, c'est pour l'image. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais à travers votre avis, on peut vous respecter. Et vous avez remarqué que depuis l'année passée, on est mieux respecté quand on est sur la pelouse. C'est pourquoi nous avons donc dit qu'il faut que nous portons la même chose partout où nous arbitrons. C'est donc ça qui a expliqué l'interdiction de porter des chaussures autres que noires, des bas autres que noires et des culottes autres que noires. Ok. Quand je suis arrivé aussi, j'ai dit, il faut que le rapport électronique soit institué en règle. J'ai dépensé plus de 1 000 $ pour m'acquérir ce système. Je me suis basé sur ce qui se fait à la CAF. On m'a orienté vers un universitaire kényan qui est arbitre international. C'est lui qui nous a conçu le truc là. J'ai payé. Pourquoi ? Parce qu'on m'a dit que ce qui expliquait le retard des paiements des indemnités des arbitres, c'était la transmission des feuilles de match. Alors j'ai dit, ah, si c'est ça, alors on va faire le rapport électronique. Et tous les lundis, imaginez, hein, 61 matchs, c'est-à-dire 61 rapports d'arbitres, je les reçois. Je reçois les rapports des arbitres, demander si je lis les rapports ou je ne lis pas. Dame. Lisez les rapports. Attendez. À chaque fois qu'il y a une erreur sur une virgule même, j'appelle dame, corrige. Ah, vous savez, je suis un énarque. Donc à l'ENA, quand vous allez faire le concours, on vous donne un dossier comme ça, on vous dit faites la synthèse. Vous êtes obligé de lire intelligemment, sinon vous ne pouvez pas faire la synthèse. Ok. Et je lis les rapports des assesseurs, parce que s'il y a une note suspensive, il faut enlever un arbitre. Là, ça fait 61 fois 2. Et il faut désigner 61 matchs la semaine, multiplié par 5 officiels. Tenir compte du fait qu'il faut qu'il y ait une rotation des arbitres, que Dame ne doit pas faire le même match que la même équipe une semaine après, etc., etc. Vous imaginez combien de fois c'est difficile. Jusqu'à présent, je le fais seul. J'ai centralisé depuis l'année passée. Mais à partir de cette année, je crois que je vais commencer maintenant à décentraliser pour ne pas être submergé. En plus que de l'autre côté aussi, je suis concerné par les désignations. Ok. Alors, maintenant, tous les lundis, si les matchs se jouent, au plus tard le dimanche. Vous vous souvenez, pour les assesseurs, j'ai dit le rapport doit me parvenir dans les 24 heures. Donc, c'est une règle. Si vous ne le faites pas, vous êtes sous le coup de la suspension. Pour les arbitres, j'ai dit, ça doit me parvenir au plus tard à minuit. Je le fais pour vous, parce que lorsque je reçois, je transmets tout
au département de la fédération pour établir les états. Et dans la semaine, donc les états doivent être disponibles sur la table du directeur financier qui est chargé de payer. Nous avons donc fait ce que nous devons faire pour que le paiement des arbitres se fasse à temps. Maintenant, le reste, je ne peux pas le garantir parce que c'est hors de mes leviers. Et vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, à chaque fois qu'on vous dit faites ceci, c'est vrai que c'est une dictature, mais c'est pour vous. Lorsqu'on a payé avant la tabaski, certains qui ont reçu là. En tout cas, même pas nos check-offs là, on n'a même pas reçu. Ou bien on a reçu après. Donc tous les actes que nous posons là, c'est pour la qualité de l'arbitrage et aussi c'est pour vous. Et donc, voilà les raisons qui ont expliqué ce système. Certains ont arbitré jusqu'à la fin de leur carrière sans avoir de badge. Tu as une fois eu un badge. L'année passée, on a pris 900 000 pour créer les badges pour les arbitres. Il y en a qui restent encore chez moi, on va distribuer l'année prochaine pour d'autres. Parce que ça aussi, ça permet de relever un peu l'image de l'arbitre. Et même lui, tu dois avoir senti quelque chose lorsque tu as porté ton badge de fédéral. L'objectif est de pouvoir faire des badges pour tout le monde, pour tous les niveaux. Mais c'est de l'argent. Quand on aura suffisamment d'argent avec vos check-offs, on peut le faire, arbitre de district, arbitre de ligue, arbitre fédéral. Et le problème des cartes, je sais qu'on va me poser cette question, est en cours d'étude. C'est assez complexe. Présentement, on ne peut pas faire de cartes, parce que si on fait des cartes aujourd'hui, on peut demain tout reprendre, parce qu'on ne sait pas. Si on le fait, quel grade on va mettre pour Bayo, pour Nyaria, etc., etc. Parce qu'on attend encore les résultats des examens, et ça me permet de vous dire que les résultats sont avec nous. Mais la commission centrale des arbitres n'est pas complètement installée par la fédération. Sur les 9, il n'y a que 3 pour le moment qui sont installés. Or, les résultats doivent être validés par la commission centrale des arbitres. C'est ça qui retarde vos résultats. Donc, que personne ne me pose la question pourquoi les résultats ne sont pas encore sortis. Sinon, à cette heure-là, les résultats seraient déjà publiés. Vous avez vu, en un mois, on a sorti les résultats théoriques. Donc, le plus difficile, c'était ça. Ce n'était pas la pratique. Donc, voilà. De manière générale, maintenant, j'ai dit, par rapport à ceux qui ont échoué le test physique qui devait valider leur examen, il faut savoir que vous avez tout échoué et que lors des prochains examens, vous allez tout reprendre. Parce que c'est comme au BFM, si vous allez vous échouer au deuxième tour, vous n'allez pas revenir l'année prochaine dire que j'étais admissible au deuxième tour pour aller là-bas. Vous reprenez tout, donc ça aussi, c'est un des principes. Voilà donc, de manière générale, peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais ce que je souhaitais partager avec vous, maintenant, oui, j'ai oublié la corruption, les gars. Elle existe bien dans le football. C'est pas pour rien que la FIFA a dit que lorsqu'on a ça, il faut dénoncer. Nous avons eu un cas cette année dénoncé par un arbitre que nous avons porté à la connaissance de la fédération qui a saisi la juridiction compétente. Elle a déjà entendu les intéressés, les concernés, et n'a pas encore rendu sa décision. Des arbitres sont un arbitre à dénoncer un autre arbitre semble impliqué avec un autre dirigeant. Je préfère taire les noms. Présomption d'innocence. Lorsque la commission disciplinaire prononcera son verdict, on saura si notre arbitre incriminé est concerné ou pas. En attendant, nous l'avons retiré des désignations depuis lors. Et donc, je voudrais vous inviter à accorder une importance particulière à cela. Celui qui se laissera corrompre sera radié de notre corps et pourrait être poursuivi par les instances internationales. Et je ne pourrai rien lorsque je serai saisi pour défendre cet arbitre. Parce que je sais le contrat qui me lie à la FIFA, qui nous demande à chaque fois qu'on a connaissance de ces faits de les dénoncer. Donc, je ne pourrai pas défendre quelqu'un. La corruption, ce n'est pas seulement l'argent. La corruption, ça peut être les chefs. On a vu ça même au Ghana, qui a été, où l'arbitrage a été disséminé les dernières années, avec des chèvres qui ont été offertes.
offerte. C'est possible ici, à Velengara, il y a beaucoup de moutons, etc. Quelqu'un peut vous donner un mouton. Ah, je ne vous demande pas de ne pas être galant ou de ne pas être courtois, parce que nous avons nos traditions. Par exemple, ici, vous allez arbitrer un match de navetta quelque part, on vous donne un plat à manger ou dire non parce que le président a dit corruption. Ce n'est pas ça que je dis. Mais on vous donne quelque chose pour forcer le résultat du match, ou bien on vous donne quelque chose, même si on ne vous le dit pas, vous savez que ça, c'est pour forcer le résultat du match. Ça, il faut dénoncer. Non seulement refuser, mais aussi dénoncer. Sinon, si vous pensez que en le faisant, vous vous êtes caché, vous vous trompez. Le gars qui a fait ça avec vous, il va le faire avec un autre arbitre en lui disant que j'ai fait avec l'autre. Et en ce moment-là, ça va nous arriver. Donc attention les gars, on peut faire les matchs, prendre les miettes, je considère ça comme ça qu'on nous donne, mais c'est parce que nous avons décidé d'être arbitre, pas pour l'argent, par passion. Et donc, respectons ce corps de métier qui est, disons, très respecté dans le monde, qui permet à d'autres de se faire connaître comme nous dans le monde, partout dans le monde. Je suis content et je remercie encore une fois ceux qui ne sont pas des arbitres qui ont tenu à rester jusqu'au bout de notre discussion, notamment le chef du service des sports et Racine Nian. Ok, donc le directeur technique départemental. En tout cas, et tous ceux qui étaient là avec nous, mais qui, pour des raisons diverses, ont été obligés à repartir. Merci à la Soukra de Velengara pour tous les efforts que vous êtes en train de faire. Partout où je passe, je remets symboliquement une enveloppe qui est avec Badara, qu'il remettra au président de l'Accra, qui va la remettre au président de la Soukra. Le montant maintenant, vous communiquez, c'est pas de l'argent, c'est symbolique. Hein. Et donc, vous dire encore une fois que nous comptons beaucoup sur vous pour le développement de l'arbitrage. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez des arbitres, mais on demande encore à Dame de faire plus physiquement. Les tests physiques ne sont pas encore programmés. Lorsque ça sera programmé, vous allez le savoir. Normalement, la Ligue professionnelle doit reprendre au mois de septembre. Mais on n'a pas encore... Oh, bon, j'ai une idée sur la date précise. Mais il reste des préalables avant que nous puissions fixer les dates des tests physiques. Donc, sachez que ça peut être au mois de septembre, comme ça peut être au mois d'octobre. Voilà encore une fois ce que je souhaitais vous dire. Et encore une fois, merci beaucoup pour l'accueil et merci pour tout.